Quelques jours après la sortie de Minecraft 1.17, je me suis demandé si la communauté minecraftienne avait déjà trouvé des astuces intéressantes pour améliorer le jeu, et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas été déçu. Ok, bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la 1.17 de Minecraft. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'intro, on va tester les glitchs, les hacks, tout ce que vous voulez, les astuces de Minecraft 1.17. Évidemment, les astuces que j'ai trouvées sur YouTube et sur TikTok, je vous mettrai les liens, comme ça, vous pourrez directement les rejoindre, et puis c'est pas de moi, donc voilà. Alors, j'en ai testé aucune, donc je sais pas si ça va marcher, j'espère que ça va marcher, mais j'en sais rien du tout, je suis comme vous là, j'en sais pas du tout. Donc c'est parti. Ok, alors on va monter crescendo dans les astuces. Donc là, ça va être une astuce plutôt fun en fait. Ça apporte rien au jeu, mais j'ai envie de tester. Apparemment, c'est marrant. Alors en fait, on prend tout simplement des axolotes. Donc nouveau mob de Minecraft. On prend une corde. Voilà, ici. Et en fait, apparemment, ils font des trucs marrants quand on les prend. Voilà, ils tournent comme ça. Voilà. On sait pas pourquoi ils font ça, mais voilà. Et en fait, le truc marrant, c'est que bon bah déjà, il va super vite. Tu vois, c'est assez drôle. Mais en plus, c'est qu'on peut en avoir du coup plusieurs. Voilà. Et après, bon, ça devient vite le bordel, quoi. Non, mais oh, les gars, ça va ou pas? Ça devient complètement le bordel. Mais voilà, c'est juste un peu un petit truc fun et tout. Je pense pas que vous le ferez en survie. En tout cas, je sais pas pourquoi ils font ça. Mais voilà, c'est un peu marrant. Donc, je voulais vous le montrer. Attends, par contre, ça je viens de tester juste comme ça, mais parce que je voulais m'en séparer. Mais je peux les faire voler, en fait. Non, mais let's go, les axolotes qui volent. Putain, mais c'est trop bien. Regardez, je peux leur faire des montagnes russes. Ah non, on en a perdu un. Oh non, on en perd plein. Oh non. Oh, oh non. Bon bah voilà. Rip les axolotes. Ok, alors l'autre astuce que j'ai vu, c'est avec les paratonnerres. En fait, on met nos paratonnerres comme ça, voilà, apparemment. Quand on a mis les paratonnerres comme ça, les mobs normalement ne passent pas. Bon, si je me fais exploser par les creepers, c'est de la faute de la vidéo. Oula, non, j'ai fait. Ok, non, mais j'ai fail, c'est pas grave. Ah non, il les a tous tués. Ok, viens. Ok, ils passent pas. Vous voyez, ils passent pas. Ils peuvent pas venir. Alors normalement. Ah! Non mais sinon il passe pas, c'est juste j'ai éclaté mon truc mais il passe pas. Alors là, une technique assez cool pour monter avec simplement deux blocs, j'ai fait tomber dans le lac de lave, lol. Faut juste donc des bottes et ça permet de monter en escalier avec simplement deux blocs de neige, de poudreuse de neige. Donc en gros ce qu'on fait, on va pousser ça, on s'en fiche. Donc on met ça là, par exemple, donc là, voilà, là ça on tombe pas. Et en fait ce qu'il faut faire c'est que dès que t'es là, tu fais ça. Et du coup, tu peux récupérer l'autre. Attendez. Ok, 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 ça marche, ok, c'est plutôt cool. Bon, il faut prendre juste le coup de main et pas tomber, mais ça marche bien, hein. Franchement, ça marche bien. Bon, non, faut pas faire ça, faut pas faire ça du tout. Bon, voilà, du coup, ça marche bien avec simplement deux blocs, tu peux monter où tu veux, faut juste un peu de pratique, mais sinon, ça marche super bien. Ok, alors là, on arrive vers un truc où je suis pas du tout sûr de si ça va fonctionner ou pas, mais en fait, si vous voulez, il faut simplement une flogute, là, de riplif, là, bref, faut juste ça, et puis de la bedrock, et ça pourrait normalement casser, casser la bedrock. Donc, par exemple, là, on fait ça, on met, je sais pas, voilà, on met comme ça, ici, par exemple, de hauteur, voilà, dès qu'on a mis de la mousse, on fait ça, voilà, donc là, ça touche pas le bloc, et si on pousse, pardon, c'est censé casser le bloc. Ok, on essaie. Merci les astuces. Mais c'est vrai que, par contre, quand tu fais ça, ça peut pousser haut. Ah oui, ça peut pousser bien haut. Ah oui, ça pousse très haut, par contre. Attends, je viens de découvrir ça, mais... Ah oui, c'est grand. Ça va. Ok, une autre astuce, alors là c'est un piège, en fait c'est un piège que vous pouvez créer contre vos amis. Alors ça, là, je pense que ça marche, enfin j'espère. Voilà, on prend un chaudron, on prend de la lave, et on prend... C'est bon, j'ai trouvé. C'est ce bloc-là, là, celui-là, là. On est bloc, ok. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous mettez... Vous creusez là, vous mettez ce bloc-là. Donc là, on sait que... Voilà, là, je peux pas trop... parce que je suis en créatif, mais sinon, je peux pas trop sauter. Je mets un chaudron par-dessus, je mets de la lave. Et normalement, vos amis vont se faire piéger. Normalement, je meurs pas, mais regardez. Si je tombe dedans... Voilà, là, je suis tombé dedans. Donc là, on peut bien voir que je suis dans le chaudron. Et en fait, je peux pas m'en sortir. Voilà, je peux pas sortir. Parce que, en fait, on est bloqué. Et là, voilà, c'est un nouveau piège. Putain, c'est cool ce piège-là, par contre. Franchement, je suis content que la vidéo dise vrai parce que sinon ça aurait été nul. Et là, franchement, ce piège-là est cool. Ok, il nous reste déjà deux tips à tester et c'est, je pense, les mieux. Et en fait, il y a deux glitches. Donc, on va tester le premier glitch. Ça me permet de voir à travers les blocs. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. J'espère que ça marche. Ça serait énorme que ça marche, mais ça serait aussi énorme que Mojang ait laissé ça en 1.17. Mais bon, on va voir. Donc, en fait, il vous faut simplement un piston. Il vous faut un... Alors, attendez. Voilà, un composteur.
et ça, voilà. Et donc là, on peut voir à travers les blocs apparemment, donc si, je sais pas si je me mets là. Alors dans la vidéo, il fait ça, il se met ici, voilà, il se met dedans. Je me mets dedans, s'il te plaît, voilà. Il fait ça, ça, et... Ah oui, ça marche! Oh, let's go! Donc là, vous pouvez voir toutes les grottes. On peut voir les grottes. Alors là, bon, il n'y a pas grand-chose, du coup. On peut voir un poulpe. Un poulpe tout seul, là. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu nages dans le vide? Le poulpe! Poulpe! Pourquoi il nage dans le vide? Bon, bref. Du coup, on peut voir tout. Bah, attends, c'est une scène, mais je pense que ça marchait avant l'1.17, non? Parce que du coup, là... Bon, là, vous pouvez, on peut, du coup, on peut voir les géodes et tout. Il n'y en a pas ici. Mais on voit toutes les grottes, etc. Donc non, c'est plutôt cool. C'est un glitch qui marche, du coup. Glitch résolu. Non. Pas résolu du coup. Ok, et dernier glitch. Alors là, c'est je pense que ça va pas marcher, mais je veux essayer pour être sûr que ça marche pas. Et au moins comme ça, vous aurez pas besoin d'essayer chez vous si vous tombez sur cette vidéo, en tout cas. En fait, c'est un glitch qui permet une duplication. Duplication de diamants. Donc ok, on va essayer. Je sais pas du tout, hein. Franchement, j'y crois pas. Si ça marche, c'est insane. Mais bon, j'y crois pas trop. Donc en fait, ce qu'il vous faut, c'est une table de craft. Il vous faut du diamant, parce que souvent quand tu glitches, c'est du diamant, voilà. Et il vous faut un sac. Donc pour ceux qui veulent un sac, pour l'instant ils sont pas ils sont pas encore implantés vraiment dans le jeu, donc il faut faire ça, voilà. Slash give le weather, enfin votre nom, Minecraft bundle, voilà. Là j'ai un sac, ok, j'ai un sac, c'est cool. Alors maintenant, pour dupliquer, apparemment ce qu'il faut faire, c'est on met ça comme ça, donc on met un bloc de diamant, on en met plusieurs, ou comme ça, je sais pas, un truc comme ça, voilà. Et là normalement, alors si en gros, si on récupère là le sac, si on ferme le sac avec le diamant, il y aura toujours un bloc. Et non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les gars. Ça marche pas, vous allez pas nous avoir comme ça, attendez. Non, ça marche pas, ça marche pas. Bon, hé, c'est quoi cette arnaque? Attention, hein. Ça marche pas du tout, hein. Non, mais attendez, ils mettent des astuces pour Minecraft qui marchent pas du tout. Désolé, mais voilà. Ce sont vraiment les duplications, j'y crois moyennement à chaque fois. Et franchement, j'ai bien fait de pas y croire parce que c'était pas vrai. Ok, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Elle était assez courte, mais en fait, il n'y avait pas non plus 1000 astuces sur Minecraft 1.17. Et surtout, il y avait des astuces qui me paraissaient pas dingues de ouf, qui devaient, je pense, sûrement marcher. J'ai essayé de prendre celles qui étaient les plus... Voilà, les mieux, quoi, les plus intéressantes à exploiter. En tout cas, je retiens que le glitch a marché. Et ça se trouve, il marchait même avant la 1.17 parce qu'il faut aucun bloc de la 1.17. Donc, ça se trouve, il marchait avant. Dites-moi dans les commentaires si vous le saviez ou quoi. Et voilà, donc à plus pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Et la 1.17, franchement, c'est des belles surprises. C'est des belles surprises. Il y a du mensonge, c'est des belles surprises. Ciao.